dans cette game numéro 3 et ils sont tout de suite à l'attaque pour le deuxième. Mespeed qui est là et il est bien heureux de voir cette frappe de Pandex lui arriver dessus. Attention Zensus qui va essayer de prolonger, elle est magnifique. Encore une fois, là, le duel gagné par Nils Cook et Zensus. Le positionnement pour ne laisser aucune chance à Speed. Magnifique but. Non, Nisku qui reste. C'est lui qui a eu le boost. Et dégagement de Borito. Oh, joli, joli de la part de Speed, ce redirect. Ah, celui-là, il n'y a rien à dire. Il est absolument magnifique. La petite touche pour éliminer Pandex, pour ne lui laisser aucune chance. Et ce ballon. Il a rendu le ballon là directement à Borito. Là, une bonne interception de Nils Cook, c'est prolongé par Pandex et elle est très très belle cette touche. Pandex du coup, resté aux avant-postes pour aller chercher du boost. Une minute 25 restante. Les Mokits qui sont très très bien en place. Et là, on va trouver Pachi. La passe de Ferry Pick. Oh là là. Magnifique de la part de Pachi. Pachi qui trouve un bon redirect intercepté par Zensuz alors que Ferry Pick n'était pas loin. Et attention, Pandex dans les airs. Il va la pousser dans le but. Et le but est magnifique de la part de Pandex là. Le Danois qui vient signer une envolée de grande classe là. Il a sorti l'envolée 4 étoiles là, Pandex. Direction, mais Friki qui intercepte bien. Oh, et puis une bonne intervention, c'est pour Pachi peut-être qui arrive lancer. La voici l'ouverture du score des Mokit Esports avec cette parfaite intervention de Ferry Pick. Ça se termine en centre pour Pachi qui vient conclure de manière acrobatique et qui prend Nils Cook à contre-pied. Pinch de Friki, enfin le contre de Friki. N'était pas cadré, là l'autre qui en a éliminé deux. Il va pouvoir centrer dans l'axe et parfait pour Mognus. Metsa pour la rabattre peut-être. Oh, c'est compliqué, il essaye en deux temps. Il y parvient Metsa. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. On va retourner, caméra embarquée. Ouais, là, il s'est arrêté dans les airs. Sa vitesse qui a été complètement stoppée par le choc avec le ballon et qui lui a permis d'être un petit peu en retrait par rapport au wall pour pouvoir retaper une deuxième fois.